পা চালা করো E departe? Păi, grișca aia pe drum mă poți să-i lumească, mă. Băi, ce mirosuri de acolo, n-am. Păi, eram în armată, m-am angajat la lotă. Acolo erau căptări de apă, munte. Ce mă așteaptă? Domnul, când uși, poartă. Le gros blocs qu'on a vu tout à l'heure au fond, ils sont remontés comme ici, sur des portes.
que tu vois des plus loin. T'as filmat? C'est la partie que l'on voit sur le toit, c'est la partie qui doit être saine. Lorsque je vais tailler mon ardoise, eh bien, je vais voir donc où se trouvent les défauts. Et pour tailler une ardoise, j'utilise cet appareil qui est une braie. Et je vais commencer d'abord par faire une première coupe bien droite. En coupant l'ardoise, j'ai fait un biseau. C'est ce que l'on appelle la dans le même sens pour ne pas avoir de la goutte d'eau des deux côtés. J'ai fait ma première coupe. Eh bien, je mets à l'équerre. Là, je peux encore mettre plus loin. Oui, ben, je vais recommencer tout à l'heure. Cette partie-là qui reste sans pierrer. Alors, maintenant, n'aie pas à chercher partout, à tourner l'ardoise dans tous les sens pour savoir s'il n'y a pas un défaut dans cette partie-là. Bien, je vais être gentil avec lui. Là, l'épaulement était déjà pratiquement fait. Et je vais lui faire ce qu'on appelle un épaulement. Je vais couper le coin de l'ardoise. De toute façon, un couvreur, lorsqu'il va poser une ardoise sur un toit, il mettra toujours... Et si j'ai un défaut, si j'ai de la pyrite de fer, eh bien, il y aurait de l'eau à s'infiltrer et ça roulerait également. Et ça perdrait. Ça va? Le premier me sert à partager les gros blocs d'ardoise que l'on appelle des repartons. Le deuxième me sert lorsque j'arrive à cette épaisseur-là, c'est-à-dire que là j'ai l'épaisseur de 4 ardoises. Je vais donc partager toujours en deux, ici 8 ardoises, je vais faire 2 morceaux de façon à avoir 4 ardoises dans chaque, et là je suis arrivé à l'épaisseur de 2 ardoises.
partir de ce moment-là, je vais utiliser ce dernier ciseau qui est très long et très flexible et qui va me permettre de décoller mes deux ardoises si j'ai un défaut au milieu, par exemple. Deci va folosi acum a treia daltă care e lungă și flexibilă. Până normal a ajuns acum la ultimele două plăci, pentru că din toată bucata trebuie să facă 16. Deci a tot desfăcut până a ajuns la ultimele două. Et tous ces ciseaux doivent être bien affûtés. Să fie bine ascuțite. Et bien graissé. Și bine unte. Mai anal, că este aceeași vaselină care se folosește în interiorul minei pentru a verifica dacă sunt crăpături. La fond. Voilà, et là on obtient deux ardoises. Alors, thank you.
Aujourd'hui, on peut plus particulièrement remercier les personnes qui ont permis de visiter un site qui dépasse largement le cadre de notre région, leur permettre de, je dirais dans une expression récente, s'éclater un petit peu au dehors dans ce parc Saint-Blaise bien aménagé, et les personnes de CAT qui ont pu leur donner aussi l'occasion de s'installer et de mettre en cette fin d'après-midi leurs beaux costumes. Tout de passer une journée de détente en basket, mais si on fait un conseil, avoir la possibilité d'entendre un petit peu plus du climat de voyant et d'être habillé sur le terrain de jeu. En présence de M. Kinsey, le maître de cette tournée de l'amitié roumaine, vous développez avec le groupe Amadeus des échanges digitaux avec les pays de l'Est, et je sais que vous voulez vous participer aussi dans votre action, à laquelle j'ai découvert tout à l'heure une commune anglaise, avec Baguineda, une commune du Mali, que les jumelages apprenaient non seulement à découvrir d'autres pays, mais je dirais à se découvrir, à se connaître. L'amitié franco-roumaine, et c'est grâce à vous, et bien grâce à vous, nous allons mieux nous connaître. Alors merci de votre venue, et ici nous avons... Mais en attendant de pouvoir avec d'autres groupes étrangers, bienvenue au cœur Angélie, bienvenue à vous, monsieur le directeur de la télévision roumaine, bienvenue aux encadrants, et je crois...
participer.